La retraite, c'est un sujet qui est vraiment passionnant parce qu'on se dit qu'un jour, eh bien, on va arrêter d'être au travail, qu'on va arrêter d'être un membre actif et que du coup, on va pouvoir toucher une retraite. Et est-ce que ces retraites va augmenter dans le temps? Est-ce qu'on pense que du coup, le système français qui est en place actuellement en 2017 va-t-il nous permettre de continuer à avoir cette retraite? À vrai dire, j'en sais absolument rien. Je ne sais pas comment les choses vont se passer. Je ne sais pas quelles sont les mesures, quelles sont les choses qui peuvent se développer. Peut-être que on va découvrir en France des ressources qu'on n'exploitait pas et qui vont avoir de l'or entier et que du coup notre économie va exploser. Je ne sais absolument pas ce que l'avenir va nous arriver. Et moi, ce que je peux te dire, c'est qu'aujourd'hui, il est important que tu cherches à augmenter ta retraite par toi-même, que tu aies une vision long terme de ta vie et qu'aujourd'hui, plus jeune tu es, et dès que tu as ce premier CDD ou ce premier CDI, il faut que tu commences à mettre de l'argent de côté pour pouvoir en fait tout de suite mettre de l'argent qui te permettra d'avoir un complément de revenu le moment où tu t'arrêteras de travailler, le moment où tu arrêteras de finalement rentrer de l'argent contre ton temps que tu auras échangé. Et c'est une stratégie qui n'est pas forcément beaucoup étudiée, beaucoup partagée par les gens et qui pourtant est vraiment importante parce que si tu ne te poses pas la question maintenant, si tu attends, eh bien, je pense que finalement, tu vas hériter d'une situation qui sera peut-être pas la meilleure, qui te conviendra peut-être pas forcément, et au final, tu te diras, j'ai perdu du temps ou j'ai fait des erreurs, et rien de pire que de faire des erreurs. Aujourd'hui, si tu commences à mettre de l'argent sur un compte, sur une assurance vie, sur quelque chose qui est vraiment fait pour ça, et que tu t'intéresses à négocier les deux points fondamentaux qui sont les frais d'entrée de la mensualité que tu mettras tous les mois, et la rentabilité de l'argent, du compte sur lequel tu mettras cet argent, si tu négocies bien ces deux paramètres et que tu sais que c'est les meilleurs du marché au moment où tu souscris ton offre, et ben après c'est en automatique, tu fais les versements automatisés du montant que tu peux faire, de 40 euros à 200, 300, 1000 euros si tu peux permettre de faire ça. Et du coup, à un moment donné, les intérêts générés et ben te permettront peut-être même d'avoir un salaire si tu t'es débrouillé le plus tôt possible. Et en fait, c'est ce que je t'invite à faire aujourd'hui pour augmenter ta retraite. C'est dès maintenant de placer ton argent, de t'intéresser à ce sujet et de commencer à capitaliser sur un compte, de regarder toutes les offres qui sont offertes, d'éventuellement conseiller, de prendre un coaching, de te faire conseiller par des gens qui connaissent ce système-là et qui t'apprennent à le comprendre pour pouvoir, toi, eh bien, maîtriser la situation et savoir combien tu toucheras au moment où tu percevras, où tu voudras t'arrêter de travailler finalement. Et peut-être même qu'en chemin, tu arriveras à arrêter de travailler bien avant les autres, ou même bien avant l'âge de retraite de 55, 60 ans, si tu t'es bien débrouillé et que tu as travaillé sur ces sujets-là dès maintenant. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à découvrir dès maintenant mon guide et podcast gratuit, 7 habitudes quotidiennes gagnantes, à travers la description liée à cette vidéo. Et puis, je t'invite également à découvrir cette vidéo ou à t'abonner à la chaîne juste là. Merci pour le temps que tu as consacré à cette vidéo. Bonne suite des journées.